Hello beautiful people, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omo, et vous savez, c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et vous savez que sur cette chaîne, nous parlons de l'excellence de la femme noire. Voilà. Et comment nous discutons de ce thème-là sur notre chaîne? Nous parlons de l'excellence de la femme noire en parlant de nos finances personnelles, en partageant des astuces de beauté et entre autres. Je parle avec vous de mes collections ou ma collection de parfums, des nouvelles trouvailles de parfums sur lesquelles j'arrive à mettre la main, voilà. Et aujourd'hui encore, dans mes balades sur Instagram, je suis tombée sur une pépite, voilà. Je suis tombée sur une trouvaille et j'ai voulu partager comme ça mes premières impressions de cette trouvaille-là avec vous. Donc, si vous voulez savoir davantage sur cette trouvaille-là, savoir davantage sur cette pépite, sur ce parfum que je vous réserve aujourd'hui, restez connectés. Alors les amis, aujourd'hui nous allons faire le troisième épisode d'une série qui s'est formée toute seule. Hein. Je ne savais pas que j'allais en faire une série, donc finalement c'est devenu une série. Nous allons parler aujourd'hui d'une pépite que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux, voilà. Et ça s'appelle Musk Jigen, voilà. Musk Jigen, Jigen qui veut dire femme en Wolof, voilà. Et donc vous voyez, je suis vraiment dans, on va dire dans le thème là aujourd'hui. Je suis sortie tout à l'heure et c'était la tenue exigée. Et quand je suis rentrée, je me suis dit non, je vais pas me changer, je vais faire la vidéo comme ça. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon look dans la barre de commentaires. Revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Musk Jigen. Musk Jigen, j'espère que je prononce bien, c'est une marque au fait de parfums sensuels, des parfums qui vous rendent au fait sublime toute la journée, voilà. Et apparemment, quand on utilise ce parfum-là, on est toujours fraîche, même avec ce moment, pendant ces moments de chaleur où c'est vraiment, vraiment infernal et on a toujours besoin peut-être de réappliquer nos déodorants, réappliquer nos parfums afin d'être fraîche toute la journée. Musk Jigen nous dit aujourd'hui qu'en utilisant leur parfum, on peut rester fraîche toute la journée et aussi être sensuelle. Voilà. Donc je me suis dit, étant une amoureuse des parfums, les amis, si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolée parce qu'il y a, y a beaucoup de bruit là et franchement, j'ai pas le choix, je suis obligée de filmer comme ça, sinon je pourrais pas filmer. Voilà. Et donc, Musk Jigen nous promet de sentir bon toute la journée, même pendant cet été, et de nous sentir toujours aussi fraîches. Je me suis dit, mais étant une amoureuse des parfums, étant quelqu'un qui adore collectionner les parfums, il faudrait que je puisse mettre ma main sur ce parfum-là, sur cette box-là, parce qu'ils offrent des box, au fait, avec le parfum et autre chose. Nous allons faire l'unboxing ensemble tout de suite. Et donc, je me suis dit, il faut que je puisse mettre ma main sur ce parfum-là, que je puisse sentir, que je puisse faire un wear test, voilà, afin de pouvoir vous donner vraiment mes premières impressions, les impressions les moins biaisées possibles. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir le parfum Musk Jigen, voilà, et sans plus tarder, voilà, on va faire le unboxing. Et donc, le parfum vient comme ça. Il faut dire qu'ils ont déjà, ils sont très professionnels, voilà. Ils ont un site internet. Vous allez sur leur page Instagram, vous allez avoir le lien de leur site internet. Et vous n'avez qu'à cliquer sur le lien du site internet et vous serez dirigé directement sur le site. Et là-bas, vous avez au fait la panoplie de parfums qu'ils vendent, voilà. Et vous pouvez faire votre choix. Le règlement se fait directement, soit par Orange Money ou par Wave, voilà, ça dépend de vous. Et vous aurez en fait votre produit livré peut-être dans la journée. Moi, j'ai été livrée dans la journée. Donc, franchement, je pense que niveau professionnalisme, ils sont au top. Voilà. Il faut dire aussi que ces parfums-là sont formulés en France, mais ce sont des parfums, on va dire, avec des touches assez orientales, assez africaines, assez chaudes et tout. Voilà. Et donc, sans plus trait de bavardage, voilà, nous allons ouvrir notre paquet de Musk Jigen. Et là, le carton, il est tout mignon. Et donc, j'ouvre le carton. Voilà, et on a ça. Franchement, une box superbement constituée. Il n'y a rien à dire. Elle est super belle. Et là, tada! Quand vous ouvrez, déjà, il faut dire que le carton lui-même, en lui-même, il sent super, super bon. En fait, ça me fait penser à une lotion de peau
qui sont super bons. Je ne sais pas laquelle des lotions, mais ça me fait penser à une lotion, en tout cas. Et Semi, partage ton unboxing avec tes amis en utilisant le hashtag séduisante avec Miss Jigen. Retrouve-nous sur Instagram et Facebook. Voilà. Et Semi, parfum sublime séduit. Voilà. Et la première des choses que je vois ici, c'est ce petit sachet-là, ce petit sac rouge dans lequel bah il y a des bin-bin. Bon, un bin-bin, hein. Voilà. Ici au Sénégal, ça s'appelle des bin-bin. Chez moi, en Côte d'Ivoire, ça s'appelle le baya. Voilà. Et on a ce bin-bin-là, voilà, qui est doré et bleu. Et il faut dire que moi, généralement, j'aime les bin-bin, voilà. J'aime les bin-bin, mais généralement, je les porte plutôt fins. Voilà, j'aime plutôt les perles qui sont assez discrètes, comme ça passe au fait sur tout. Mais pourquoi pas? Et en plus, ils sentent très très bon. Franchement, ça sent. En fait, tout sent de la même manière. Ça sent super super bon. Et voilà, pourquoi pas? Vous avez en plus, voilà, c'est bin-bin. Comme quoi, c'est vraiment dans la séduction. Pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest, vous savez que les baya ou les bin-bin sont, voilà, d'aucuns diront que c'est une très grande arme de séduction. Voilà. Et donc, juste après ça, nous avons des échantillons. Musk Jigen nous a offert, au fait, deux échantillons, d'autres parfums, au fait, qu'ils vendent sur leur plateforme. Voilà. Donc, on a musc blanc ici. Et ensuite, on a pomme d'amour. Et donc, là, je vais essayer. Je mets ça là, comme ça. Et ici, je vais essayer pomme d'amour. Pomme d'amour, c'est vraiment ce parfum-là qui est assez fruité. C'est vraiment assez, assez fruité, comme son nom l'indique, pomme d'amour. C'est vraiment fruité. C'est vraiment frais. C'est assez sucré aussi. Quand vous le mettez, vous sentez beaucoup au fait que le parfum est super sucré. Donc il fait vraiment féminin, il fait, je pense, un peu plus jeune que musc blanc. Musc blanc, c'est vraiment un parfum qui nous rappelle assez l'oud, voilà. Donc ça, comme son nom l'indique, un hein, musc. Donc on sent un peu la touche orientale, on sent un peu que c'est un parfum un peu plus chaud. Je pense que j'aime bien pomme d'amour. Par contre, j'aime bien pomme d'amour. Pourquoi? En tout cas, dans la saison dans laquelle nous sommes actuellement, ce serait bien d'avoir des parfums qui sont plutôt frais. Voilà, il faut dire qu'il fait assez chaud. Et quand c'est comme ça, moi, je préfère avoir un parfum qui est frais, qui me rafraîchit tout le temps, au lieu d'opter pour un parfum qui est un peu plus chaud, un peu plus, voilà. Les parfums comme musc blanc, moi, j'opterais pour ce genre de parfum, en fait, pour les sorties, le soir et tout. Voilà. Maintenant, juste après ça, on a un petit message avant que je vous fasse, au fait, la revue sur le produit en question qui est là. Juste avant ça, avant la revue, on a un petit message ici qui dit: Hello beauté, merci d'avoir fait confiance à Musk Jigen pour t'accompagner dans ton rituel de beauté quotidien. Dépose une goutte de ton musc intime sur un coton humidifié ou directement sur tes mains. Puis applique-en sur toutes les zones intimes et sujettes à transpiration, cou, creux de la poitrine, aisselle, en évitant les muqueuses. Ton musc peut être utilisé au quotidien comme dans l'intimité, avec trois points de suspension, mesdames, en parfum ou en déodorant. Sois fraîche et séduisante avec musc Jigen. Voilà. Et donc, on a notre musc Jigen ici, présent, et qui se présente comme ça. Côté packaging, je dis que ça fait très sénégalais. Quand je regarde, je sais que déjà, ça attire le public sénégalais qui est vraiment la cible de ce produit, je pense, hein, et surtout les femmes. Voilà, ça fait très luxury. Oui, je pense que ça fait très luxury. Ça brille et tout. Et moi, le parfum que j'ai pris s'appelle Sable Chaud, by the way. Et les amis,
pour pouvoir véritablement vous montrer ce que je pense au fait de ce parfum sable chaud là. J'ai décidé de faire un wear test, c'est-à-dire je l'ai mis le matin aux environs de, sauf erreur de ma part, de 8 à 9 heures. Voilà, ce matin, je l'ai appliqué et aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, il est 20 heures. Voilà, et je pourrais maintenant vous donner, on va dire, un full review. Donc, je vous mets en image mon wear test. Tips. Donc là, nous allons passer au wear test. Je vais mettre le Musk Jigen. Voilà. Actuellement, il est 9h10. Voilà. Et je vais le mettre toute la journée. Nous allons voir véritablement si ce que on nous dit sur ce produit-là est véritablement la vérité. Je vais porter le parfum toute la journée et je vous en dirai des nouvelles. Okay. Déjà, il faut dire que quand on l'enlève de sa boîte, ils sont super, super bons. Déjà. Et je vais l'appliquer. Voilà. Parce que j'en ai mis trop. Hein. Je vais juste utiliser ça en même temps pour appliquer sur toutes les parties de mon corps où je veux mettre ça. C'est-à-dire, je vais juste frotter comme ça. Mettre juste un peu là. Et ce qui est ici, je vais l'écraser. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Je l'ai mis aussi dans les aisselles et dans le creux des seins, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, nous allons essayer le parfum toute la journée et je vous dirai ce que j'en pense. Déjà, il faut dire que il sent super, super bon. J'ai pris celui qui s'intitule Sable Chaud, voilà. Et déjà, ils sont vraiment, vraiment bons. Donc, let's go. Là, je dois sortir. Je vais à un événement. Et donc, j'espère que jusqu'à mon retour de l'événement, je sentirai tout aussi bon. Voilà. Il faut dire que je vais mettre un autre petit parfum dessus. Voilà. J'ai décidé de le porter en déo, mais je pense que je pourrais faire la différence entre ce parfum-là et le parfum que je vais mettre tout à l'heure. Mais il faut dire qu'ils sont véritablement bons déjà. Donc, après le wear test, ce que je peux vous dire de 1... Je peux vous assurer de la longévité, voilà, de ce parfum. Pourquoi? Parce que je l'ai appliqué en tant que déo pour pouvoir véritablement voir ce qu'il pouvait faire, voilà. Et il faut dire que quand je suis rentrée ce soir à la maison et que j'ai ôté mes vêtements, je sentais toujours l'odeur de ce parfum. Je ne l'ai pas réappliqué, by the way. Je ne l'ai pas du tout réappliqué. Et franchement, s'il y a quelque chose que je peux témoigner sur ce parfum, c'est qu'il va garder son odeur toute la journée. Toute la journée, vous l'aurez. Franchement, sur vous. La deuxième des choses que j'ai remarqué, c'est peut-être que moi, je n'ai pas bien appliqué. C'est que c'est un parfum que j'utiliserai, mais pas seul. Voilà, j'utiliserai vraiment comme un déo. C'est-à-dire, je le mets et je tope avec un autre parfum. Parce que j'ai appliqué sur mon poignet, sur mes deux poignets, by the way, le Musk Jigen. Et quand je l'ai appliqué sur ce poignet-là, j'ai topé avec un parfum que j'avais. Et sur l'autre, je l'ai mis tout simplement. Et j'ai attendu aux environs de midi. J'ai demandé à une de mes collègues de me dire ce qu'elle en pensait. Et au fait, je lui ai donné mes deux poignets. Et elle a senti les deux poignets. Et elle m'a dit qu'elle préférait ce poignet-ci. C'est-à-dire, elle préfère au fait l'odeur qu'on avait quand on mélangeait le musc avec un autre parfum au lieu de cette odeur. Mais en même temps, il faut le dire que c'est très relatif. Quand je l'ai combiné avec un autre parfum, c'était vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire, c'était vraiment magnifique. Et jusqu'à présent, je sens toujours l'odeur du parfum sur moi. Voilà. Et un autre point aussi que j'ai remarqué, c'est la consistance assez visqueuse du produit. En fait, on a tendance à le confondre un peu avec, comment dire ça, de la pommade, voilà. Et moi, je n'ai pas trop saisi pourquoi la consistance est faite comme ça. Pourquoi est-ce que c'est une consistance assez crémeuse? Je pensais à la base que ça allait être une huile, voilà. Je suis prête à supporter cette lourdeur-là
parce que c'est un produit qui me garantit d'être fraîche toute la journée. Voilà. Et il faut noter, les amis, que je ne suis pas sponsorisée par la marque Mustigen. Je l'ai acheté avec mon propre argent et c'est vraiment une revue que je fais de ce parfum en toute honnêteté. Voilà. Et malgré ça, j'ai un code de réduction pour vous qui va s'afficher sur l'écran et je vais vous mettre le lien de la page Instagram de Miss Jigen pour que vous puissiez aller voir aussi. Et donc avec mon code de réduction, vous serez capable au fait d'avoir des réductions de 10% sur votre commande et n'hésitez pas à aller essayer Musc Jigen. Donc je vous disais tantôt, on a le musc blanc, on a pomme d'amour et on a sable chaud. Et moi je décrirais sable chaud comme un parfum avec de l'oud, voilà, un parfum à tendance orientale. Ça me rappelle un peu les huiles de parfum que j'avais ramenées du Maroc, voilà. Et donc c'est comme ça que je décrirais ce Très parfum. bien. 30 millilitres de ce parfum à l'intérieur de ce bocal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mes soeurs et je vais leur demander de sentir les parfums et me dire ce qu'elles en pensent. Ici, on a comment ça s'appelle? Musc blanc. Ici, on a pomme d'amour. Et ici, on a sur mes deux poignets, on a sable chaud. Voilà. Musc blanc là-bas. Et puis, comment on appelle ça? Pomme Musc d'amour. blanc ici. Pomme Pomme d'amour. d'amour. Et puis, sable chaud. Sable chaud. Au sorti musc blanc d'abord. Pomme d'amour. Ça sent bon. Sable chaud. Ton préféré. Tiens, il y a match entre pomme d'amour et puis sable Et chaud. puis sable chaud. Mais sable chaud là, ça donne plus en fait. Ça donne plus, tu sens ça. Maintenant, quand tu sens là, ça te fait penser à quoi? Et c'est pas un mélange de fleurs. Un mélange de fleurs. C'est ça? Mélange de fleurs façon. Ok. Donc aujourd'hui, si on te dit d'acheter ça, tu es prête à acheter ce produit? Tu es prête à mettre un parfum que tu peux porter tous les jours, tout ça. Et donc les amis, c'est ici la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Et si oui, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up, c'est-à-dire de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications afin d'être notifié de chaque fois que j'ai une vidéo. Et n'hésitez pas à me dire aussi quel genre de parfum que vous aimez et quelle marque, quel parfum vous aimeriez que je puisse passer en revue sur cette chaîne. N'hésitez pas à me laisser tout ça dans la barre de commentaires. J'attends ça avec impatience. Et donc d'ici là, nous allons nous retrouver la prochaine fois, n'est-ce pas? Prenez soin de vous. Bye bye.